Quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire de façon pratique. Je crois que notre devoir à chacun d'entre nous, c'est d'évangéliser, de ne pas avoir peur. Je crois que notre devoir à chacun d'entre nous, c'est d'évangéliser, de ne pas avoir peur. Nous vivons au contact quotidien de musulmans, qui sont musulmans, ils n'ont pas forcément choisi. Et ils attendent de notre part qu'on leur annonce la vérité. Et d'abord, pour que cette vérité puisse entrer dans leur cœur, dans leur esprit, je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de démonter l'islam, que de détruire l'islam dans leur esprit. Parce que l'islam en soi est une machination démoniaque pour les empêcher d'être chrétiens. Et tant qu'ils seront musulmans, ils ne pourront pas être chrétiens. Jésus dans l'évangile dit que quand on sème, eh bien, il faut d'abord enlever les ronces de la terre, il faut enlever les cailloux, etc. Sinon, ce n'est pas la peine, ça ne va pas porter du fruit. Et lorsque donc, on rencontre des musulmans autour de nous, et encore en venant ici dans le métro, à côté de moi, j'étais assis à côté d'un musulman, c'est pas marqué sur son front, mais il y avait une valise qui traînait comme ça dans le wagon. Je dis, tiens, peut-être que c'est une bombe qu'il a dedans. Et alors, il dit, oui, peut-être bien. Quand on pense qu'il y a des gens qui se font un plaisir de faire exploser les autres comme ça, il dit, oui, mais franchement, moi je suis musulman, je ne comprends pas ça. Et alors, j'ai commencé un petit peu à lui parler de ce que c'était écrit quand même dans le texte fondateur de l'islam. Ben, évidemment, il ne pouvait pas nier. Hein. Et ce qui est important, je crois, c'est de montrer leurs contradictions. Ce qui est important, je crois, c'est de montrer leurs contradictions qui sont inhérentes à l'islam, pour que les musulmans eux-mêmes se rendent compte que c'est pas logique, qu'il y a un problème dans l'islam. Et ensuite, mettre en parallèle la beauté, la vérité du Christ et de l'évangélisation, pour qu'ils deviennent chrétiens. Si nous avons parlé de l'islamisation de l'Europe, d'où elle vient? Elle est le châtiment de notre apostasie. Nous devons le prendre dans une intention de miséricorde. Tout châtiment est envoyé pour nous amener à nous repentir et à nous tourner vers le Seigneur. Donc, prenons conscience que l'islam est là, comme l'a dit Alain Besançon, toujours parce que l'Église a été malade, soit par des hérésies, soit par des divisions, etc. C'est comme ça que l'islam a pu s'implanter dans les terres autrefois chrétiennes. Prenons conscience de ça, assumons cet héritage, revenons au Seigneur, redevenons chrétiens et évangélisons. Chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous connaissons qui sont son commerçant, qui sa femme de ménage, etc. Parlons-lui des contradictions de l'islam. Faisons-leur honte d'être musulmans. Montrons-leur la beauté du christianisme. Et c'est comme ça que de proche en proche, ça va peut-être redonner ce sang neuf à l'Église et qu'on va faire une pierre deux coups. On va se convertir et on va donner à l'Église de nouveaux enfants. الكلمة عنوان المرء تترجم عن مستودعات صدره وتبرهن على مكنونات قلبه وتدلل على أصله وعقله وفم العاقل ملجم إذا هم بالكلام أحجم وفم الجاهل مطلق كلما شاء أطلق والعاقل من لزم الصمت إلا عن حق يوضحه أو باطل يدحضه أو خير ينشره أو علم يذكره أو فضل يشكره فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه. إن
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.